et l'humanité devint incapable de résoudre des problèmes aussi simples que le traitement des déchets. Les ordures s'accumulaient depuis des siècles. Les abonnés, à tour du 68, nouvelle journée détection, hein. Enfin, après-midi détection, je crois qu'il est passé minuit. On est le dimanche, je crois qu'on est le 19, hein. Ouais, il me semble, 19 février. Et donc là, ben, je me dirige dans cette direction, là-bas, et on va voir ce que ça va donner. Et puis sinon, il y a ce champ-là à faire, et il y a aussi éventuellement ce champ-là, où j'ai eu l'autorisation. Donc, bah écoutez, dès que j'ai une première trouvaille, je rallume. Voilà, voilà, allez. Je vous dis à tout de suite, en espérant faire, faire quelques petites trouvailles sympas. Hein. Voilà. Allez, je rallume et je vous dis à tout de suite. Allez, ciao. Voilà, première cellule pour moi. Ça fait quoi 5 minutes que j'ai commencé là. Et donc là, une vis. Voilà. Allez, un prochain travail. Voilà, nouvelle cellule pour moi. Le trou était ouais, juste là. Juste là, donc j'ai fait quoi 3 mètres, même pas. Hein. Et donc là, c'est une balle. Voilà. Une balle de chasse. Chasseur ou je sais pas. Je sais pas si c'est mon heure. J'en sais rien. Ouais, je pense chasseur. Je pense chasseur. Allez. Allez, ma prochaine trouvaille. Allez, ciao. Voilà. Nouvelle trouvaille pour moi, ici. Et c'est... je sais pas si c'est un couvercle en... en alu. Voilà. Bon, celle-ci, je la dédicace à tous mes abonnés. Voilà. Nouvelle trouvaille pour moi. Magnifique trouvaille. Ici, je crois dans cette botte. Hein. Je la dédicace à tous. Cette motte de terre, ici. Juste là. Je prends un... on va regarder ce que c'est. Ok, c'est là-dedans. On va enlever un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est encore là-dedans, hein. Apparemment. Ok, c'est là-dedans. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, une merveille. Ouais, c'est ça. Une merdouille. Ok. Jeune, super. Impeccable. Allez, on voit. Nouvelle trouvaille pour moi. Elle est ici, je crois, dans cette boîte. Hein. Cette motte de terre, ici. Juste là. Je prends un... et on va regarder ce que c'est. Ok, c'est là-dedans. On va enlever un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est quoi là-dedans, hein? Apparemment. Ouais. Ok, c'est là-dedans.
Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, une merdouille. Ouais, c'est ça. Une merdouille. Ok. Jeune, super. Impeccable. Allez, on continue. Voilà, nouveau travail pour moi, elle est là-dedans. Et on va voir ce que c'est exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, voyons voir. Hop là. C'est pas là. Là. Non. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est ça. Ok. C'est une cartouche de chasse. Une cartouche de chasse. Moi, il me semble que c'est de la cartouche de chasse. Non, même pas, je suis pas sûr. Non. Je crois que c'est pas de la cartouche de chasse. C'est autre chose, hein, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Hein. En tout cas, c'est un super travail. Allez. A plus. Voilà. Nouvelle trouvaille pour moi. Ça se trouve juste ici. Et regardez, j'ai même pas besoin de creuser. Celle-ci, 13. Presta Bernay, je te la dédicace. Voilà. Je sais que tu les apprécies, ces trouvailles. Donc c'est pourquoi je te la dédicace. Voilà, voilà. Allez. Je rallume. Hein. Pour l'instant, c'est y a rien. Puis bon, la terre, elle colle. Hein. Vu qu'il y a plu il y a 2 jours, c'est pas encore sec. Allez, je rallume la prochaine trouvaille. Voilà, nouvelle trouvaille pour moi. Encore une douille de chasse. Hein. Ça, c'est pas une douille de l'époque de la guerre. Hein. C'est bien chasseur. Hein. Donc, merci les chasseurs qui ne ramassent pas leurs cartouches. Allez vous faire. Ils se reconnaîtront, hein, ceux qui le font. Allez, ciao. Bon, enfin, première trouvaille. Intéressante. Je dis bien intéressante. Et ça se passe ici, et donc c'est un petit pont de sac à 12-21. Ça sonnait à 12-21. Une petite étoile. Une petite étoile. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un 2. Et il y a inscrit dessus Edelbrecht, Albrecht. Albrecht, ED Albrecht, Alfred Albrecht. Alfred Albrecht. Donc, bien noté sur internet, Alfred Albrecht. Comme ça, vous saurez tout de suite ce que c'est. Hein. Allez, super. Ça fait plaisir. Allez, prochaine trouvaille. Voilà, nouvelle trouvaille après le pont de sac. Hein. Ah, même le sol, hein, regardez, c'est ici, il n'y a même pas besoin de creuser. Voilà. Un reste de canette. Voilà. Bon, allez. T'as la petite popoche et à la prochaine trouvaille. Hein. Voilà, nouvelle trouvaille pour moi. À 10 à 12,35. Hein. Allez. Une douille de chasse. Hein. Non, 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 non. Bon. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, hein, si ce n'est le pont de sac. Hein. J'espère faire quand même de belles trouvailles avant ce soir. Hein. Le temps est commencé un peu à se couvrir. Le vent un peu à se lever, mais bon, ça va, c'est agréable. Il fait bon. Allez, je vais aller ma prochaine trouvaille. Bon, voilà. Je suis sorti du champ hein, parce que franchement, la terre est trop humide. Ça colle trop les bottes, trop le détecteur. Après, il est trop lourd. Donc là, je me suis réfugié dans les bois. Et donc là, premier son, premier trou, et regardez ce que j'ai. Première monnaie. Et je crois que c'est de l'aluminium. Elle est juste ici. Oh ouais, fais-moi kiffer. Coupe-moi un morceau. Oh, t'es trop bonne. Ce n'est pas de l'alu. Je n'en sais rien. Alors ce que je vais faire, je vais pas la frotter. Voilà. Et on verra ce que c'est. Ce que ça donne au nettoyage. Voilà. Je pense pour moi
pour moi Loulou. Je pense pas que c'est le Napo. Ou peut-être que c'est le Napo, mais alors. Elle est vachement con quoi, il y a vachement de concrétion dessus. Mais écoutez, ça fait plaisir, hein, franchement. Parce que après 2 heures où il n'y a rien du tout, hein, que de la merde. Donc là, ça fait plaisir de sortir déjà une première monnaie, c'est cool. Allez, je rallume dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Allez, ciao. Bon, voilà, nouvelle trouvaille pour moi. La monnaie était juste, je crois, là-bas. Hein. Ouais, vers là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. La monnaie était juste là-bas. Et donc là, j'ai un nouvel objet. Et c'est un briquet. Voilà. Sous des racines incroyables. Voilà. Un briquet comme ça. J'en ai chié pour le sortir, hein, celui-là. Bon, ça a l'air léger, hein, ça en aluminium. Hein. Ça on a vu. Pas très vieux. Hein. Voilà, on le voit. Là. On le voit bien là. Hop là. Allez, prochain travail. Enfin, nouvelle monnaie après, ouais, je crois que ça fait une heure, hein. Une heure que je tourne. Hein. Donc j'étais là-bas dans cette forêt. J'ai un peu zigzagué à droite à gauche, hein, c'est là où j'ai fait la monnaie. Et donc là, dans ce petit pré là, je me suis dit je vais faire des allers-retours. Donc j'ai fait deux trois merdouilles. Et puis là, j'ai encore une monnaie. C'est juste ici, regardez. Voilà. Vous pouvez le voir, elle est là. Je ne la frotte pas et on verra s'il y a des restes simplement. Et je mettrai une photo s'il y a des restes. Voilà. C'est cool, ça fait plaisir. Parce que franchement, j'en pouvais plus. C'est bien, ça fait du bien. Pour un format Napo. 2 centimes Napo, je pense. On verra. Bon allez, je rallume à la prochaine trouvaille. Voilà, après 10 minutes après l'autre monnaie, hein, une nouvelle monnaie, et elle est ici. Voilà, par contre elle a l'air beaucoup plus fine que l'autre. Hein. Elle a l'air beaucoup plus fine. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un 2 pfennig. Un 10. Un 10 pfennig, ouais. Frotter. Ouais, c'est ça. Deep Phoenix. Voilà. Super. La date. Tut. Alors, qu'est-ce qu'on a comme date là-dessus? 1876. Ok, 1876, un Deep Phoenix. Super. Allez, un prochain travail. Bon ben voilà. Après 5 heures, hein. Ouais, quasiment 5 heures de détection. Hein. Le bilan des trouvailles, donc voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses qui n'ont pas été filmées, hein. Fer à cheval, morceau de canette, je crois que je n'ai pas filmé, l'anneau, ça je l'avais filmé, hein, c'était un écrou, une vis, de l'aluminium, celle-ci j'avais filmé, ça c'est de l'aluminium aussi, saleté, l'appareil, saleté aussi. L'appareil, un reste de préservatif, super. Encore de l'aluminium. Une cuillère que je n'avais pas filmée. Voilà. Ça aussi, pareil, c'était à côté de ça, hein, de la canette. Petit morceau de canette. Après, on a les 1, 2, 3, 4 cartouches.
une ancienne balle de chasse, chasse-pot, je sais plus, une balle de mousquet que je n'avais pas filmé aussi. Voilà, là c'est pareil, un reste de capuchon de merdouille. Après des douilles, hein, pas mal. Ça c'est une lebelle, juste une lebelle, et après le reste, hein, bon, il me semble que c'est une lebelle, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. Hein. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 douilles de chasse. Ça c'est pas de. C'est pas de la guerre, hein. Ça c'est de la chasse. Voilà. Et puis ben les belles trouvailles, du moins les belles. Un briquet. En aluminium. Après le joli pont de sac. Joli plomb de sac. Après une monnaie, ça je sais pas. On verra ce que ça donne en nettoyage, mais je crois qu'à mon avis, c'est fini. Je crois qu'elle est rincée celle-là, LHS. Après on avait la Deep Fenig. Ceci elle devrait bien sortir. 1876. Voilà. Et puis la première monnaie. Alors je pense pas que c'est une loulou, je pense plutôt à format napo. C'est vachement de concrétion dessus, il y a pas mal de concrétion. Donc on verra ce que ça donne au nettoyage, mais je pense qu'à mon avis, si c'est de napo, vu la couleur en dessous, je crois qu'il restera plus rien. Voilà, en tout cas, je suis à août. Donc entre du pré, de la forêt... Et puis les champs, mais les champs c'était trop de la boue. Voilà. Donc ben sur ce, on se retrouve là ben, une prochaine fois, hein, pour une sortie détection. Hein. Mardi sortie détection, mais là celle-ci elle sera pas filmée. Voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je peux rien dire de plus. Hein. Voilà. Si ce n'est ben, une bonne soirée à vous, si vous regardez ma vidéo le soir, ou une bonne journée. Voilà. Et je vous dis à plus. Allez, ciao. Petits oiseaux.